Accueil du président de la République à Sakassou. Le comité d'organisation de la localité compte mobiliser plus de 15 000 personnes. Pour réussir à ce défi, un slogan est né à Sakassou. Walebo Diasso. Tu veux dire, peuple Walebo, lève-toi pour recevoir ton président. Corps préfectoral, élus et cadres sont déjà à la tâche. Depuis 2 semaines, ces autorités sillonnent villes et villages du département. Un seul message au menu de cette tournée. Le peuple Walebo doit battre le record de la mobilisation dans la région de Béké. Même si les moyens de transport, c'est-à-dire de mobilité, ne sont pas suffisants, ils iront à pied. D'autres vont prendre des vélos, d'autres vont partir à moto. On attend au bas mot 15 000 personnes. Les cadres me disent que déjà, au niveau d'Abidjan, des cas seront mis en place pour qu'il y ait beaucoup de cadres au rendez-vous. Les 172 villages du département de Sakassou sont donc invités à mettre à la disposition du comité d'organisation le nombre de personnes exigées par village. La chefferie traditionnelle, la jeunesse et les femmes affichent leur détermination à faire, à l'occasion de cette visite, une mobilisation exceptionnelle. Nous avons, pour le lancement de la mobilisation, créé un grand slogan qui dit « Walebo Diasso, lève-toi Walebo » et je sais qu'à partir du 26, Walebo sera debout à jamais. Le démarrage des travaux dans ces localités galvanise les populations qui se mettent en ordre de bataille pour faire de la visite du chef de l'État à Sakassou une visite historique.